servir. Oui, ça va. Ça va.
Me voici.
Thank you.
le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés tébérinthes de justice, plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain des cieux. Donne-nous, Seigneur, ton amour. Donne-nous, Seigneur, le pain des cieux. Donne-nous, Seigneur, ton amour.
Sénégal et du Mali. Et parmi eux, permettez-nous
le cœur rempli de joie en ce jour de fête, nous disons, béni soit le Seigneur notre Dieu, auteur et donateur de notre joie. La joie de l'accueil est car nous auprès. À lui, gloire, puissance, honneur et action de grâce à jamais. Amen. Chers ordinaires, en cette année 2014, vous vous présentez devant Dieu et dans son Église pour demander, selon la terre que vous avez demandé, la grâce de servir le Christ dans le ministère sacerdotal. Je vous accueille avec joie et vous souhaite la bienvenue dans le rang de l'Esprit. En effet, tout prêtre est un ancien, parce qu'il est messager de parole ancienne. Soyez les bienvenus dans le monde des anciens. Vous tous, ici rassemblés, parents et amis des ordinants, autorités de tous ordres et fidèles diocésains et collègues, rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ce grand jour dans sa divine providence et son amour insondable. Le grand jour dans l'Église, nous ne devons jamais oublier, n'a rien à voir avec le France. Où le nombre d'animaux a battu pour la fête. Le grand jour n'a rien à voir avec la qualité du repas et de la boisson servie. Le grand jour n'a rien à voir avec la qualité du tissu ou du fort. Le grand jour dans l'Église est déterminé par la grandeur du don. Le don que Dieu nous fait aujourd'hui, le grand don qu'il nous fait aujourd'hui, c'est l'emploi dans sa vie qui est en guillet de Fabien, Jean, Martin et Thierry. Il s'agit de 4 jeunes qu'il envoie aujourd'hui dans sa vie. Oui, ils sont envoyés pour la maçon. Nous pouvons passer ici à cette parole de Jésus. La maçon est à la mort, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la maçon d'envoyer les ouvriers à sa maçon. Matthieu chapitre 9, verset 38. Nous pouvons ces 4 jeunes sont des ouvriers, des nouveaux ouvriers que le Seigneur invite à la moisson. Invités à la moisson, ils arriveront après les vues et inondations d'orbeaux, de défrichage, de l'amour, de semain, d'amour ou de gardiennage. Ils sont appelés à être les associés et les serviteurs du Dieu. Ils sont appelés à
Et avant tout,
puis le Père a exhorté la paix en disant : Père, soyez dans des pasteurs qui travaillent pour la conversion de Dieu, c'est-à-dire pour le retour de l'homme de Dieu. Vous trouverez cette mission bien présentée dans le dernier verset de l'Ancien Testament. Il ramènera le cœur des pères vers leur fils et le cœur des fils vers leur père. Malachi, chapitre 3, verset 24. Une mission qui consiste à travailler à l'édification d'un monde de justice et de paix, à l'édification d'un monde d'amour et de fraternité, à l'édification d'un monde d'honnêteté et de transparence, de vérité et de pouvoir. Je voudrais encore cette présentation de Jésus par le pape. Jésus dit le pape François, qui faisait des affaires politiques avec les puissants, ni un guerrier qui cherchait la libération politique de son peuple, ni un contemplatif éloigné. Voulez-vous accomplir brièvement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'évangile et exposer la parole à lui? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères de Christ selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la souveraine du Père Jésus-Christ qui s'est offert Oh.
Thank you.
Que soit l'air dans le royaume, où se trouve
portée de la loi, tous ensemble, et vous l'invite par le Christ notre Seigneur, par lui donne au monde toute grâce et tout bien.
Amen. Qu'il passe de vous, tes vrais pasteurs.